J'ai de la réserve aussi. Ça va? Bah oui. Ok. Bah aujourd'hui on vous a préparé un pack de stickers qu'on voudrait et bâche. Qu'on voudrait vous offrir. Ouais. Ça c'est maladroitement dit. Ouais, mais c'est la vérité à moitié. Pour participer à ça, va falloir entre deux dates acheter au moins un petit truc sur le site. N'importe quoi. Alors, ça sera le jeu, il va partir du 17 mars jusqu'au 17 avril. Voilà. Donc, pendant ce mois-là, ben, si vous commandez un truc, au 17 avril, on le fera en vidéo aussi. Voilà, on fera le résultat. Ouais, on tirera au sort et puis l'un de vous recevra tout ça. Et donc, via le site, on aura déjà vos coordonnées d'adresse et tout. Donc, ça sera simple. Ouais. Et aussi d'être abonné à la chaîne. Voilà. On vérifiera, ça c'est sûr. Comme d'hab. Ah, regarde, on a fait des banderoles, on en avait déjà une en noir. Donc là, c'est un peu plus propre, ça en blanc, c'est vrai que ça. On a ça fait bien. C'était pas fait exprès, c'était censé être noir. C'est un test, ouais, grave. Ça va bien. C'est une banderole qui est de bonne qualité, c'est vrai qu'on a eu l'autre là pour le moment, elle a bien battu au vent et ça n'y a pas eu de soucis. Ouais, au vent, au soleil. Donc, ouais, le pack ça contient une banderole, un grand autocollant, 5 petits. J'ai compté. La carte. On la met à chaque fois pour chaque commande, ouais, avec les petits stickers. Pour plus de 20 euros. Ouais, plus de 20 euros. La petite tête. Stickers fabriqués. Voilà, de quoi on met un peu de partout. Petite porte-clé aussi. Et celle-là, c'est pas sur le site, c'est inédit comme la banderole. Voilà, ça c'est un cadeau exclusif. Ouais. Il y aura que ceux-là qui seront comme ça, à part ceux-là qu'on a nous pour le moment. Ouais, bah ouais. Pour les banderoles, si vous kiffez, n'hésitez pas à le dire aussi. Ouais, dans les commentaires de cette vidéo YouTube. Moi, peut-être qu'on en fera. Oui, bah, après, faut voir. Ouais. On va voir ce qu'ils nous disent. Ouais, c'est là pour le moment, on en a une pour nous. Sauf il en a une. Et voilà. Et quand tu auras la troisième. Là. Ça sera avec la troisième, donc ouais. Ouais, c'est déjà, c'est pas mal. Ouais, c'est cool. Donc voilà. Là, on est le 17 mars, normalement, la vidéo. Oui, dans la vidéo. Donc jusqu'au 17 avril, c'est parti. C'est parti. Un petit truc sur le site et tu participes. J'ai la cassé. Et il a cassé dans mon galère avec ses caméras. C'est quand même du matériel assez fragile. Et pourtant, et tout. J'étais sur le biturbo, je l'ai pas. Oui, je l'ai pas abîmé. Non, je l'ai pas abîmé. Je prends plus l'autre parce qu'elle arrête pas de faire ça. Ouais. Donc voilà. T'es en train de parler, ça fait bip bip bip. Bon, bref. Voilà pour le tout est dit. Tout est dit. Le site, c'est l'artisteriemécanique.fr du 17 au 17. De mars à avril. S'abonner, la petite cloche aussi. Ouais. C'est cool. Un petit j'aime, c'est cool aussi. Un petit j'aime, c'est cool aussi. Puis voilà, je crois qu'on a tout dit. Voilà. On va vous laisser sur la vidéo. Ouais. Bon visionnage. Amusez-vous là bien. Et puis, à tout de suite. Voilà. Allez, tout, tout, tout. Le patate, tout de suite. Tout, 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 tout de suite. Tout, tout de suite. Boum. Oh. Yo, yo, yo. Salut à tous. Yes. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo de samedi. Pour une belle journée d'arrivage d'auto de fou. Ouais. J'étais sur une petite pocket, mais ce matin j'ai acheté une auto. Mmh. Ah, j'ai acheté. Ouais, un petit peu, pas trop cher. 200€. Et le reste de cadeau de Noël. Hehehe.
Doucement sorti d'hiver là, parce que les mains s'accrochent pas au guidon, je vais me faire mal. Dis ton chauff là, tous les muscles on les sent, y'a rien. Eh hey, biche, sa petite poquette elle arrache en vrai. Ah, ça avance hein. Tiens, c'est pas mal hein. On dirait pas comme ça, mais. Mais c'est pas de la rigolade. Y'en a dans le coffre là. Y'en a dans le coffre, ouais. Bon, à part qu'il y a du guide des gnolles là, mais bon. Ouais. On va remettre ce tout. Là, je comprends pas pourquoi il ne serre pas les boulons là-dessus. C'est quoi? Parce que c'est tout neuf. Alors là, j'ai pas fait de réglage, c'est tout neuf et ça marche déjà pas. Enfin, ça marche pas mal. Mais... j'ai juste mis le pot au passage bas, ouais, bah, j'ai pas expliqué. Clac, un petit pot au passage bas. Il y a aussi bah, là qu'on voit, doit pas voir parce qu'on est bien dans le noir, qui a du jeu de ouf. Normalement, elle était toute neuve, toute neuve. C'est pas mal. Manque plus qu'on aille à un rasso. Et du coup, cette poquette, je l'ai payé 80 euros. Je sais pas si vous avez vu l'épisode où j'ai acheté l'américaine, du coup, c'était à mon père. 200 euros l'américaine, 80 euros la poquette. ça fait mal. Y a rien de. C'est des bonbons, moi. Merci, ah, vous. Sûr. T'aimes pas les bonbons? Si, non, mais ça va. Juste que ça soit friné. Ouais. On n'est pas au magasin. Où est le magasin? Ça n'est pas un friné. Et puis c'est pas la bonne taille. Bah c'est pas de ce côté. C'est pas mal hein, ouais. On est des vrais mécanos. Hein. Des vrais de vrais. Hein. Mais qu'est-ce qu'on galère des fois pour des boulons? C'est vrai qu'on aura un petit rack là avec plein de boulons tout neufs. Là, tu choisis ta taille, ça serait ouf. Dans chaque petit tiroir. Et puis... ouais. Sauf que c'est du vrac. Bon par contre ça nous a rien coûté le vrac. Ça c'est tous les boulons que je récupère depuis que je suis jeune. Et encore, je tape dedans. Quand je démonte les voitures et j'en ai une autre pleine caisse qu'on n'avait pas réussi à la foutre à la ferraille ou qu'on a foutu à la ferraille ou que je sais pas où elle est passée. On en a des kilos comme les pointes, tu sais, que je t'avais donné. Ah oui. C'est un truc de... bon, allez. On va faire un vrai cut cette fois-ci. Elle arrive. Tintintintin. On va. Ta ta ta. Ça va, le bouton. Ta 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 ta. Yeah! Belle acquisition, mon frérot! La nouvelle carte! Yeah! American, America! Eh ouais! Du chrome et tout. Une belle Ricane. C'est un V8, mais diesel. Ouais. Donc bon. Qui marche pas. Ouais, il en manque des bouts. Et puis il n'y a pas de carte grise. Ouais, ça a mérité un TDS Biturbo, ça. Ouais, vous avez bien encore un V12 qui traîne? Ah ouais, déchire! Yeah! Delta 88! La petite baguette. Yeah, le biche trop, cet auto. En super état. Ça va être parfait. Ouais, elle est parfaite!
Elle est parfaite. Ouais, elle est bien. Hein. Diesel, il s'en vend toutes ses lignes. Ouais, gros, j'aurais pas diesel. Cummins. Mais ça doit faire un pas mauvais bruit, un V8 diesel. Ouais, je vais voir. Je sais pas, peut-être si c'est jamais bien déter. Ouais, elle va remonter, peut-être avec le collègue. Ah ben oui, peut-être. Faudrait voir. Hein. Ah, peut-être. Hein. Faire kick chrome. Bon, bah, toute la haken. Ça, c'est bon travail, ça. J'ai cru encore un messenger. Non ? Non, c'est un cul de mandrin, je crois. Ah non, ah, t'as peut-être raison. C'est le plateau. Ouais. Bon. Bon, on y aura accès tous les deux. Bon, ce qu'on va faire ? On va faire un cut, on la décharge ? Ouais, vas-y. Vas-y, bah, on va faire un cut du diesel, vu que c'est un diesel. Allez, vin. Bon, on va se la décharger, tonton. Ouais. Voir ce qu'il y a dedans. De ouf. Mon cul d'ici. Vas-y, si tu veux. Première américaine, le frérot il a déjà la pompon, moi c'est ma première. Bah, c'est un diesel mais c'est la première quand même. C'est lui. Voilà. C'est lui. Quoi là-dessus? Regarde sur le capot. Allez. J'ai pas réussi à l'ouvrir tout à l'heure. Ah. Le pack-tout est transformé en ballon de chaussettes. Là. Il nous faudrait un ballon du producteur. Il faut nous en faire ça en béton. Le pack-tout, lui, ça n'arrêterait pas le béton. Et la chaussette de ballon. C'est le producteur, c'est pas qui fait ouais. Le ballon. C'est ça. Là. Moi, c'est même pas des culassés, il manque juste les caches culbures. Ouais, la pipe et tout. Je trouve que c'est les mêmes pipes que les autres. Ouais, mais vu que les injecteurs sont là, c'est les injecteurs, ça, non? Non, c'est pas les injecteurs, ça? Si, c'est les tuyaux qui vont. Attends. Ouais, Du coup, c'est pas injecté dans la pipe vu que c'est un diesel. Non, c'est injecté dans les cylindres. Mmh. Je connais pas du tout en fait cette mécanique. Ça se trouve, ça peut retourner mais avec un peu de travail. Il manque la pompe à injection. Il manque la pompe à injection tout ouais, à fait. En essence. Ah ouais, en essence. Enfin, je sais pas, un moteur diesel, c'est un diesel, mais turbo, du coup, s'il y a les turbos et essence. Si t'enlèves un peu de compression. Ah, là, mais c'est... non, il faudrait mettre des bougies. Là, tu le mets à la place des injecteurs et tu mets un carbu. Ouais. Il n'y a plus qu'à faire ça. Bon, je vais peut-être finir le biturbo, on va voir. Oui, il y a deux. Après, j'ai les pistons de la Caprice, si ceux-là ne vont pas pour... Ah ouais, les blocs, ça serait pour décompresser, peut-être. Je suppose que les blocs sont les mêmes, mais j'en sais rien. Encore trop de compression, c'est pas très grave, s'il y a de l'allumage. Bon, entre 40 kg, enfin 30 kg et 11 et 10, je sais pas. Je sais pas. Alors là... Je sais pas du tout. Ouais. Parce que la boîte et tout, du coup, bah oui. Il y a la boîte, je sais pas si elle fonctionne, mais je pense que oui. Mmh. Du boulot. Ouais. Moteur, ouais, c'est peut-être pas mal. De la garer à un moment là-bas où on avait dit. Ben ouais. On la tirera, on la poussera, ça doit se tenir un peu. Ben oui, c'est pas elle qui va avoir mal. Ouais. Du coup, c'est un peu le même truc que la Caprice, en fait. Ah oui, c'est les mêmes bases, derrière, ça doit être trop cool la banquette. Et faire un petit plan. Attends. Là, t'as même le volant que tu peux déplacer, non? Ouais. Les plastiques, dis donc. Hein. Ils sont plus. Ah, ils en peuvent plus. J'ai réussi à le casser en 30. Ouais. C'est confort derrière? Ah bah oui. Mmh, pas mal hein. Il y a un petit canapé hein. Ah ouais. Un petit peu allégé, tu vois. C'est vrai qu'en limousine tu coupes là. Et là et là. Je sais pas, je dis ça direct. Ouais. C'est vrai. Le jour où il y a 10 mètres entre nous normalement, ça devrait bien se passer. Et que ça tourne plus au fond. Ouais, ça servirait absolument à rien, mais bon, ça serait c'est super cool. C'est super, non. Bah, pas mal, et la boîte à gang.
Ouais. Il y a du monde là. Des plastiques de mort. C'est la même chose que celui-là qu'il y avait là. Une boiserie. Ouais. Faut que ça aille. Un vrai kiff. Ouais. C'est une petite voiture quand même. Enfin, à l'intérieur un peu. Ouais, c'est pas ouais, bien. Mais c'est une petite américaine. Mmh. Ça fait que 2 mètres de large. Ça fera l'affaire. Et c'est vrai que n'empêche, tu serais 3 dedans. On se toucherait. Hein. C'est pas ah si bah ouais, que mais tu lèves ça et t'es 3. C'est tu pas si gros au milieu. C'est ouais. Pas si gros que la Cadillac, si. Non. Bah, la Cadillac, elle est grande, mais ouais. Ça doit être la même largeur quand même. Ça me paraît plus petit. Quoi, qu'un Cadillac ouais. Est plus long. On dirait 46. Ouais, c'est peut-être à peine plus petit. On n'est pas allé au luxe. Trop petit. Un petit arceau pour faire les tonneaux. Après, on se prend à la Generali. Ouais. Et pas de tonneau avec celle-ci. Non. Ah ouais. Vous ferez ce que vous voulez. Et à tout petit. Ouais, non. Ouais, c'est pas là. Marche. Voilà, j'allais dire marche. Je crois bien que je vais m'en acheter une. Ah, je sais pas, le moteur, faudra voir ce que ça va faire. Hein. Je sais pas qu'est-ce que ça va faire. J'avais pensé à changer les culasses, par exemple. Trouver des culasses. Et garder le bloc. Quoi. Et garder le bloc, je sais pas du tout si ça se monte. À voir. Ouais, on pourrait y passer un bon coup de chercher. Histoire qu'on la voit, il y a un petit bout de shine là. Ah ouais. Par les chromes. Si ça les bouffe pas. Ouais, le chrome, si ça bouffe, si le shine il bouffe le chrome, c'est que le chrome c'est pas. La mouillise. Non ? Ouais, mais bon, ouais, je sais pas, ça arrache le shine. Hein. Bon, du coup, on va aller la nettoyer et passer un petit coup de karcher, voir comme c'est beau. On va voir pour mettre un peu de shine, pour voir comment les jantes ressortent. Et on va la pousser avec la Laguna. En essayant de pas abîmer les chromes, mais c'est pas mal. C'est du bon chrome, normalement. Plus gros que la pompe, hein. C'est vrai que ça fait pas la même chose, c'est vraiment plus sportif ça, et c'est bah oui. Plus familial. Mais bon, une familiale pour faire des demi-tours ça peut être pas mal aussi, hein. Il y en a plein des familiales qui font des demi-tours. On va utiliser du shine, normalement c'est que pour les jantes, mais bon, on s'en fout. On va mettre un petit peu partout par les pare-chocs, ça va revenir nickel. Avec le nouveau Karcher qui va bien, c'est cool maintenant, on s'embête plus. Ouais, si ça y fait trop vite le shine, c'est un truc de ouf. C'est pour ça que je laisse pas trop longtemps. Attends, toi. De là-bas, là? C'est de la balle, hein, à part le pare-brise cassé, deux, trois petites conneries. Et le moteur qui marche pas, bien sûr, mais ça, ça viendra un jour. C'est mieux que toutes ces électriques de là, au moins, c'est de la vraie tôle. Hein. On se rejoint sur certains points avec quelqu'un. Et voilà, on revient quand elle est sèche, parce que je vois, il n'y a plus de batterie non plus. Nouvelle clé, du coup, nouveau porte-clés. Si vous voulez des porte-clés, et ben c'est sur l'artisterie-mécanique.fr. Alors en même temps aussi, je t'invite à t'abonner, à mettre un pouce bleu pour que le projet vive de plus en plus tôt. Plus on aura d'abonnés. C'est bien vu ça. Ouais. T'as vu? Pas mal. Pas mal. Hein. Je me disais du coup, c'est un peu la couleur que je voudrais pour le biturbo, mais en plus foncé. Ah oui. Alors bien polish. Franchement, là il y a de la belle teinte. Hein. On y voit un petit peu. Je sais pas ce qu'on verra avec la caméra. Donc il y a un peu de rose, il y a un peu de vert, il y a un peu de bleu, j'aurais dit.
un peu de violet aussi. Allez, ouf. Ouais, voilà. Un truc qui déchire bien le crâne. Yes, je bouge ma... Ah oui. On bouge. Ouais, on... Ma caisse, on va la garer là. Ouais. Celle-là, je crois qu'il fait pas trop le fou au début parce qu'il a changé le... les coussinets et tout et tout et tout. Et on l'entend au début quand elle démarre, elle fait rien. Ah. Pas trop le fou, peut-être aussi, ça dépend. Ouais. Peut-être. Il laisse monter un peu l'huile, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a les coussinets, elles claquaient. Et quand il les a changés, ça y a fait du bien, mais il y a encore un petit claque au démarrage quand il n'y a pas d'huile. Oh, ben laisse-la y aller, peut-être. On va reculer mieux. Elle prend pas tant de place quand elle est bien dans le grillage. Impeccable. Ça fait de la belle caisse. Hein. C'est clair qu'on part au 36, c'est pas pareil là. Là, c'est pas tout à fait la même chose. Puis c'est pas une Tesla, même s'il n'y a pas de moteur. Hein. Ça, c'est vrai que. Elle est là dans 20 ans, et ben elle sera encore là, alors qu'il y en a qui ne sont plus là. Waouh. Ah, je kiffe la couleur. En vrai, c'est un gros kiff la couleur. Et encore un avion. Je regarde que ces traces d'avion, ils nous font des hashtags, mais ils n'ont pas marqué l'artisterie. C'est nul. C'est... Que dire de plus, on la retrouvera dans d'autres épisodes. Pas tout de suite parce que bah, j'ai que deux mains et il y a déjà une voiture là-bas dedans. Mais peut-être que ça sera pour le moment le prochain projet après. Donc on verra, je vais me dépêcher sur la BM, comme sur la 4L, mais je vais faire ça. Allez, sur ce, amusez-vous là bien. Kevin. Ben, je prends procuration pour vous, lui faire dire au revoir pour vous. Amusez-vous là bien, tchou tchou tchou, et on se retrouve bientôt.